Toujours à Kamakura, toujours une chaleur d'enfer. On va aller directement, là il est 10h du matin, on va aller voir le grand Bouddha. Oui. L'attraction principale de Kamakura. On n'y est pas allé hier, donc on y va ce matin. On va aller aussi voir une grotte un peu loin, parce qu'il faut y aller à pied, 30 minutes de marche. Grotte où en fait ça rejoint un temple où on peut y laver son argent pour nous porter chance, pour apporter richesse à l'avenir. Donc on va prier pour que ça marche, on va laver notre argent dans l'eau bénite. C'est vraiment nécessaire parce que tous les hostels ici à la campagne sont trop chers. Ouais, ça j'avoue, je m'attendais pas à ça. Quand j'ai voyagé la première fois au Japon, je payais à peu près 10-15 euros par nuit, mais j'étais dans les villes un peu principalement touristiques. Donc du coup là on est un peu à l'écart. Moi c'est touristique mais c'est quand même un peu à l'écart. Je sais pas, c'est parce que c'est l'été aussi. C'est une ville très touristique l'été. Je crois que c'est un petit peu comme Royan. Ouais, c'est un peu comme Royan, Arcachon, Nice, comme ça. Cannes, voilà. Vous voyez un peu le genre. Donc là on paye à peu près 20 euros par personne, 21 euros, 23 euros. Donc ça revient un peu vite cher quand tu passes 2-3 nuits. Donc là on est resté qu'une seule nuit. Là on passe la journée, on passe la matinée on va dire à Kamakura, puis après on va en direction de Odawara. C'est notre prochaine ville. Et on verra ce qu'on y fait. C'est pas loin de Mont Fuji, donc on va peut-être voir le Mont Fuji. En tout cas pour l'instant, direction le Bouddha, puis le temple de la bénédiction de l'argent. On arrive au temple du Bouddha. C'est 200 yens pour venir, pour rentrer. Bon, ça c'est l'entrée avec le fameux bassin pour se laver les mains, pour être pur. Mais nous, on n'est pas shintoïste ou bouddhiste, donc on peut s'en passer. Là. Bon, je le fais des fois, mais je vais pas faire la queue pour ça, c'est pas grave. Ah, il y a du monde, il est 11h du matin et c'est déjà rempli. Ah oui! Croyez-moi quand je vous dis que pour aller voir ce temple, il faut le mériter, hein, parce que il y a que les courageux qui y vont en été comme ça. Parce qu'il n'y a pas de train pour y aller, pas de bus. J'espère que la bénédiction de l'argent marche. Là au moins ça vaudra le coup. On trouve un crabe sur la route. Il est en train de manger quelque chose. Allez, plus que 5-10 minutes de marche, c'est parti. Et dernière montée. On dirait pas comme ça, mais c'est très très pentu. Oh, on y est presque arrivé. Ah oui, c'est frais ici. Ah, il y a un courant d'air frais. Ah, je peux vous dire que ça fait du bien. C'est ici qu'il faut laver son argent peut-être. Ah, juste les mains ici. On va se laver les mains et on continue. En fait, derrière cette grotte, vous avez un genre de petit village, quoi. Il y a des marchands de paniers, de nourriture, de souvenirs. En fait, là, on peut acheter un genre de petit panier pour 100 yens. Je crois que c'est pour y mettre son argent et le laver, mais je suis pas sûr à 100%. On l'a pas acheté. On va voir ce que les gens font avec leur panier. Ah non, il y a des paniers ici. Ah non, c'était juste pour acheter un panier souvenir, je pense. Ici, on peut laver son argent. Vous prenez un petit panier, et puis vous allez le tremper dans l'eau ici. Bon, Alice va laver, elle a osé dépenser, enfin laver un billet de 1000 yens et un billet de 10 euros. Donc 1000 yens ça fait à peu près 10 euros, ça fait 8 euros et quelques. Donc là,
On va voir. On n'a jamais mis de l'eau sur un billet, je suis curieux. Faut oser, hein. Par contre, si ça marche, moi je reviendrai, je vais tout sortir de ma banque et je viendrai ici avec mes liasses de billets pour tout arroser, hein. Ça c'est clair. Maintenant, on doit le laisser sécher dehors. Maintenant, faut le laisser sécher au soleil, c'est ça. En fait, on a trouvé. On pouvait sécher ces billets avec l'encens qui est juste ici. Ah ouais, tu mets dans une pince et tu sèches ton argent au-dessus. Ça a l'air comme un BBQ. Le BBQ des billets. Ah ouais, donc du coup là, t'as la bénédiction de l'eau et de la bénédiction directement de l'encens. Elle fait la complète. Donc là, ça devrait fonctionner normalement. On croise les doigts. Ça nous paiera l'auberge de jeunesse pour demain. Alice fait toujours griller sa saucisse. Toujours pas cuite. C'est cool. C'est sec. C'est béni. On va vite le dépenser pour voir les effets. Ce soir, Alex paye son resto. Là, il y a un très beau lavoir. Enfin, lavoir, je sais pas comment on appelle ça en fait. Pour se laver les mains. Et tous les fans de jeux vidéo auront remarqué ce qu'il y a au centre de l'écran. Le premier qui le met en commentaire, je mets un super like. En fait, on dirait qu'il y a une autre entrée, ou une autre sortie, ou enfin les deux quoi. A priori, c'est un café dans une vieille maison japonaise, et vous avez une boisson et un gâteau pour 300 yens. Tester, on va voir. Bon, ça dépend de la taille du gâteau, si c'est un petit biscuit, 300 yens ça fait cher. Mais si c'est une vraie part de gâteau fait maison par un vieux japonais dans une vieille maison japonaise, ça peut être cool. Café Gula. Sasuke, nanana. Et on est dans le quartier Sasuke. Voilà. On va rentrer, il va falloir enlever les chaussures. Konnichiwa. Hello, hello. Yes. 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 Very curious and typical Japanese style. I give you. Ah yes. Yes, free. Oh, thank you. This and a cookie. A little cookie. Before a little sweet, mm-hmm. And after this and matcha. Okay, okay. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you. Beaucoup. C'est en fait c'est gratuit. C'est un biscuit et un matcha de chaud. C'est bon. C'est quoi là? On dirait un cookie à la vanille. Ouais, c'est un petit biscuit sablé. Je sais pas si vous voyez en fait mon thé vert qu'on a eu gratuitement là. Il est beaucoup plus transparent que le thé vert que j'ai eu dans l'épisode à Aizu Wakamatsu où c'était vraiment très épais et on voyait pas à travers. Et j'aimais pas trop parce que c'était un peu trop puissant. Moi, je suis pas très thé vert et celui-ci se boit tout seul. Il est vraiment pas très fort et c'est exactement le thé comme j'aime moi. Donc en fait, elle nous a donné deux petites parts de cheesecake et après, elle va nous servir le thé à la pêche avec le gâteau à la pomme. New Year's concert, we win, feel harmony. Yes. Yes. Oh really? It's my dream. So cool. But I spend so much money. Yeah. Thank you. Oh my God. 15 years ago, I bought this house, and at that time, this is tatami. Coordinated a European style. Uh-huh. Yeah. Voici mon thé à la pêche avec la tarte aux pommes. Et en fait, là, elle nous racontait que la maison, elle a 106 ans, donc plus d'un siècle. Et en fait, elle vient ici que une ou deux fois par semaine parce qu'elle habite à Yokohama, ce que vous avez vu dans le vlog précédent normalement.
If you want to up the stairs. Yeah, maybe. Oh, yeah. Go upstairs. Wow. J'habite ici, je me pose toujours dans le toit. Trop bien. Elle a une petite tour de garde ici. Elle a une vue sur tout le village, quoi. You are here for 2 days per week. 100% open coffee shop only Saturday and national holiday. Please come to. Ah, hi. And this is a quiz. Ah, yeah. Quiz. And what do you think of furniture? It's really old. Very old. Very old yeah. one. Yeah. Traditional refrigerator. Has big eyes inside. Oh. Bulb here. Ah, yeah. Bulb here. Ah, yeah, yeah. Petit tuyau ici. Ice and the water to bulb. In. Have you been to Europe before? Oh, yes. Ah. France. Maybe 20 years ago. Uh-huh. And so at that time, and my daughter's on the spring vacation, I don't like any shopping. Mm-hmm. So I promised to my daughter to buy any shopping last day. Mm-hmm. So all shop is closed because on Easter. unlucky. Yeah, Easter. My daughter angry with me. And so we bought a camembert cheese. Camembert cheese. At airport. Oh, really? Did you make the cake by yourself? Yes. So good, you make it so nice. Thank you very much. Very so nice. Good. Now we're 65 years old. Uh-huh. And 61 years old, I have another job. This is the second house for us. And my husband died 80 years ago. No. 18. I was like, you're not looking so old. And who are these people on this photo? Because they're, you know. Photo? Oh, no. Yeah. My friends. Your friends. This is a guest. Guest? Uh-huh. Oh, so nice. Yeah. And this is my and. This is my dog and a rescue dog. Rescue dog. And, yeah. 8 years ago, it's a very big earthquake and rescue. Very rescuing people. Searching the people. Very old. And this is Labrador Retriever. Maybe there's a Bristol Griffon. The coffee shop name is Gula. Griffon. Labrador Gula. Gula. Another job is Roy. I'm a lawyer, but I give. It's over. And the time to go to an office, very tired for me. Yeah. I chose this. Arigato gozaimasu, merci. Arigato gozaimasu, thank you. Bon, voilà, on sort du café Gula. C'était super, elle voulait vraiment partager des choses. C'est exactement pourquoi nous sommes en voyage. Ouais, c'est exactement pour ça, c'est pour l'échange avec les locaux, c'est vraiment un truc super important pour nous. Donc, j'espère que vous avez aimé l'histoire que je vais traduire, que j'ai traduit tout le long. Parce que nous étions vraiment seuls dans ces cafés. Et regardez ce qu'on a trouvé sur le chemin en rentrant. Encore ces fameuses bouteilles d'eau posées près des plantes. On est parti pour de bon de Kamakura. En direction de Odawari. Mais avant ça, on va faire une petite pause à Enoshima, une petite île de 4 km². Et c'est sur notre route, donc on va s'y arrêter. Elle est aussi appelée l'île du dragon. Et on va voir pourquoi. Et donc on va prendre le train direction Enoshima. Et on espère qu'on va pouvoir poser nos sacs quelque part dans la gare peut-être. On va voir. On vient d'arriver à Enoshima et on va mettre nos sacs dans les casiers. Comme d'habitude, 500 yens peut-être et nos deux sacs vont rentrer, oui. Ça va le faire. Oh, il est perfect. Ah.
Petite pause au 7-Eleven, ça fera pas de mal. Dès que vous sortez de la gare, en général, dans un endroit touristique, vous avez une rue commerçante quand vous sortez direct pour vous faire dépenser. Ah. Ok. Ok. Quand vous passez au 7-Eleven ou au Combini, prenez cette glace. Elle coûte 130 à peu près. Mais elle est super bonne. Je prends toujours celle-ci. On est arrivé à Enoshima après une petite marche de 15 minutes en fait, de la gare jusqu'à Enoshima, au compter 15 minutes. Et puis ensuite vous allez tout droit. On peut aller ici par ici, mais j'ai vu sur le plan qu'il faut mieux aller tout droit. Ouais. Voilà, c'est la rue ultra ultra commerçante. Et là, en plein milieu de la rue, t'as un chat qui est posé ici. Oh, il est trop mignon. Il y aura un chat à chaque vidéo maintenant. On n'a pas fini. Donc, comme vous pouvez le voir, on a monté la moitié, je crois. Continuons à monter. Il y a aussi un escalator, mais étant donné que nous sommes sportifs, on va prendre l'escalator. Oui, très sportif. J'ai perdu au moins 2 litres d'eau aujourd'hui dans mon dos. Si vous verrez ça, c'est assez impressionnant. Et on n'a pas encore fait manger. On a mangé. Une glace. On a mangé une glace. Et des petits gâteaux. Des petits gâteaux. Alors on fait des économies quand on voyage, faut penser à tout. On mangera mieux ce soir, comme d'hab. Oh, c'est 16h. Il est 4h yeah. Oh, il est 4h. On n'a pas encore vraiment mangé. Oh, je suis étonnée. Ah, désolé pour le bruit des grillons, ça j'y peux rien. Peut-être que la prochaine fois, on mettra de l'argent dans une caméra où on pourra mettre un micro. Parce que là on n'a pas de micro externe, c'est le micro de la caméra, donc le son des fois est pas top top, on est désolé. Pour se laver les mains encore. Allez. Il a eu peur du zoom. Regardez lui. J'ai la petite tête qui sort. Ils croient qu'on a de la bouffe. Les gens sont intrigués. Personne ne s'est arrêté, on s'arrête et tout le monde s'est arrêté pour voir ce qui se passait ici. Oh. Regardez ça. Troisième chat qu'on croise. Ils sont tellement sereins les chats ici, c'est impressionnant. Il m'a vu arriver, il a tendu la joue pour que je le caresse quoi. Wow. Wow.
What is that? It's really big. Look. On a commandé un truc avec une crevette dans une pâte. On va voir ce que c'est. En fait, ça a un goût de chips à la crevette. Enfin, je crois que c'est une pâte de riz. Et puis, il a mis une crevette en plein milieu, il a tout aplati, ça fait voilà, une galette crevette pâte de riz. On est tombé sur les spécialités de l'île. Ça s'appelle les shirasu. On va tester ça tout de suite.